Toi, tu es là que pourquoi il ne reste pas chez Dieu. Il faut être courageux pour aller chez les gens, pour aller s'imposer. Comme ce qu'il a fait, c'est lui qui débatté. Pourquoi il ne reste pas chez Dieu, paresseux là. Tu es garçon, sors, tu vas aller t'imposer au Mali. Et puis tu as dit aux Maliens que tu es le meilleur artiste malien aussi. Si tu es garçon, il faut essayer. Les pieds pauvres là, c'est ici où vous avez venu mes commentaires. Vous êtes malade. Vous êtes garçon, vous êtes fier de vous là. Allez-y vous imposer au Mali. Dites aux Maliens que vous êtes le meilleur artiste malien aussi. Allez-y vous imposer au Burkina. Dites aux gens que vous êtes le meilleur artiste burkinabé aussi. Quelqu'un quitte chez lui, vient s'imposer chez toi. Il fait concert, il vend ticket 20 000, 40 000, tout le monde paye. Il peut faire 3 fois concert dans l'année. Tu t'en vas les regarder. Il parle, tu les réponds. Tu es ton camarade? C'est ton camarade? Le grand bébé, les Wodjeneka même là, ils ont ramba même. Les Wodjeneka c'est comme ça. Les Wodjeneka c'est comme ça. Mais les femmes même se culpabilisent toujours là. Les femmes se culpabilisent toujours là. Je vais vous dire un truc. Hein. C'est pas seulement que les femmes qui ont un mari de nuit. Hein. Il y a les hommes aussi qui ont femmes de nuit. Hein. Il y a les hommes qui ont femmes de nuit. Tu vas beau faire avec lui, ça ne marche pas. Hein? Sa femme de nuit là, sa femme de lui l'a fait de sorte que là, ses trucs ne bougent pas. Donc quand il veut se mettre avec une femme qu'on a forcément, tu vas donner le meilleur de toi-même, tu vas lutter. Ça ne marche pas. Il y a des hommes qui ont un problème. Il y a des hommes même, tu prends taxi, tu viens dans un rendez-vous taxi, il a fait accident. Il y a des hommes qui ont problème. Il ne faut pas que vous allez vous culpabiliser seulement. Ouais, je vous salue, vous tous, depuis votre position aussi. Je vous salue depuis le pays des hommes intègres. Un jour, Dieu va faire grâce. Il est venu au Burkina. Dieu va faire grâce. Il va avoir un tuteur burkinabé qui va m'inviter depuis le Congo. Viens au Burkina. Eh, pour les flamber. Eh, le jour, Dieu va me donner un bon tuteur. S'il y a un bon tuteur... S'il y a un bon tuteur ici au Burkina qui a l'argent, il n'a qu'à m'inviter. Le poulet flambé, les coins, coins là. On va les tirer ça là-bas. Ceux qui disent laisse affaire des belles familles parlent de Sriki Diabaté là. Je ne peux pas lancer l'œil pour parler de Sriki Diabaté ici. Hein. Les premiers hypocrites, même, c'est les Ivoiriens. Les premiers lâches, c'est les Ivoiriens. Les premiers lâchés hypocrites là, c'est les Ivoiriens. Il a lancé live ici. On va parler de Sriki Diabaté. Ils vont enregistrer une petite partie pour aller m'insulter. C'est vous même où allez partir mes commentaires là-bas pour m'insulter. Les vrais premiers hypocrites. Qui met un truc là? Je suis lobby. Qui veut faire mon identité là-bas? Tu me demandes si je suis Tchadien, je suis Burkinabé, je suis lobby, je suis quoi là? Toi, tu gagnes quoi dedans? Les premiers lâchés, les premiers hypocrites, c'est les Ivoiriens. C'est nous, on insulte nos artistes ici. C'est nous, on insulte nos influenceurs ici. C'est nous, on insulte nos artistes ici. C'est nous, on insulte notre truc ici. C'est nous, on insulte pour donner aux autres. Maintenant, quand ils vont s'asseoir maintenant pour nous dénigrer là, c'est nous, on est là maintenant. On dit non, il a mal fait. Dans les commentaires, même sur Facebook, il y a vu beaucoup d'Ivoiriens là-bas qui ont dit, oh, il a dit quoi? C'est juste pour t'amuser. Les Ivoiriens aiment trop ça même. Une certaine fille, Rosemonde Kwaku. Rosemonde, elle, c'est la fille du monde. Une femme qui ne porte pas caleçon, qui se promène nudie. C'est qu'il a dit là, hein, c'est juste pour sa... On ne peut pas dénigrer toute une nation comme ça. Et être fier devant sa caméra, il le dit encore. Donc, problème des Ivoiriens, moi, ils ne me mènent pas dedans. Parce que les Ivoiriens même sont des lâches. Moi-même, mes propres frères, vous êtes des lâches, vous êtes des hypocrites. Moi, j'ai eu un petit clash avec un petit Malien là. J'essaie d'aller voir ses commentaires là. C'est mes propres frères Ivoiriens qui sont en train de me commenter là-bas, à propos diffamatoire. Là-bas. Que je suis orphelin, faut pas le répondre. Lui-même là, son papa est malien, il est d'origine tant, il est d'origine burkinabé, il est d'origine tant. C'est vous-même les Ivoiriens là, qui sont allés me commenter ça là-bas, pour dire moi là, il est d'origine malien, mon papa est malien, je suis d'origine burkinabé, je suis d'origine tant. C'est vous-même, vous êtes parti me commenter là-bas.
Tu connais pas mon père, tu connais pas ma mère, tu connais pas ma famille. Tu ne connais rien de moi, tu connais que Bikongo. Mais tu es allé me commenter là-bas dans le mensonge. Vous dites, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Comme ta mère est une ancienne prostituée qui s'est promenée dans les cours pour prendre grossesse, elle ne sait pas qui l'a enceinte là. Ça agit sur toi maintenant. Tu t'en te permettre. Il n'y a pas quelqu'un qui va lever les doigts. Je connais papa de Bikongo, je connais maman de Bikongo, il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, même il connaît mon frère, il n'y a pas. Si les réseaux sociaux, il n'y a pas. Il met tout le monde en défi, tout Côte d'Ivoire en défi. Tu ne connais pas. Sauf ceux qui sont des mêmes villages que moi. Sauf ceux qui sont des mêmes quartiers que moi, à Boaké, qui peuvent parler. Ou ceux qui sont des mêmes villages que moi, qui peuvent parler. Mais tu ne me connais pas, tu me connais seulement sur TikTok. Tu es allé ouvrir ta mère con là-bas pour dire non, il ne faut pas les répondre. Chico, lui-même il est comme ça. Chico, c'est le même. Il a vu, hein. Il a vu comment elle lit les noms. Et ça, allait même dans les pages pour aller voir. Ce sont mes propres frères de Côte d'Ivoire ici qui sont en train de m'insulter pour donner aux autres là-bas. Or, si c'était un Malien qui avait eu un problème avec moi quand tout Mali allait debout contre l'Ivoirien. Mais au-delà, en Côte d'Ivoire, s'il y a un problème là. Mais en Côte d'Ivoire, si tu as un problème net. Tes propres frères sont divisés comme ça, ils sont levés maintenant. Vous pensez que vous faites du mal à qui quand vous faites ça? C'est les retombées là qui sont là. Quand vous méprisez vos propres frères, on a vu ici, vous avez tous insulté, débordé aussi, les traités de sorciers, de l'hypocrite ici, à quoi de tous les Ivoiriens. Vous avez tué Arafat parce qu'il est mort, ils l'ont crucifié. Arafat a été boycotté. Arafat a été boycotté parce qu'il n'aimait pas ça. Il a été boycotté quand il y avait Massa ou bien quoi ici là. Il a été retiré de la liste. Les concerts d'Arafat étaient boycottés. Les radios refusaient de faire sa promo. Il souffrait, il faisait lui-même sa propre promo. Vous avez tué. Arafat a pris moto pour aller se suicider. Parce que quand il fait le concert maintenant, au lieu de gagner, il perdait son argent. Les bars, bien là, Odu, Pate, Petike, concert d'Arafat au Yelems. Samedi et puis il est mort dimanche là. Concert d'Arafat au Yelems, samedi à 13 juillet, à l'avenue 16, ancien cinéma Rio. C'est là que Arafat a fait concert, ticket 2000 francs. Il n'y avait pas 40 personnes dans la salle. Le même samedi, il avait concert de Kifno But au Palais de la Culture. Vous touchez, vous êtes allé au Palais de la Culture. Concert d'Arafat était vide. C'est là qu'il est mort le lendemain dimanche. On le cherchait même pour faire les. Pour faire le décompte de lui montrer combien il avait perdu dans le concert là. À 13 villes, Guy Arafat était en concert. 2000 tickets, personne n'est parti. Les bas billets là, vous payez t-shirt 15 000 pour aller le rendre hommage. Que Dieu vous maudisse. Quelqu'un n'a qu'à venir me provoquer que de parler de quoi là. Tout ce qu'on est en train de s'aimer, c'est pas vous qui avez commencé à dire aux gens, Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. On dit, hey, ils prennent pour vous dire votre président n'est pas ivoirien, non. C'est pas vous, mais vous faites ça. Les bas biais là, vous êtes assis dans votre maison, c'est qui est dans. Quand vous n'aimez pas quelqu'un d'être là, vous l'insultez sur le plan international, tout le monde n'a qu'à enregistrer. Quand ils enregistrent maintenant, le jour à problème là, ils vont prendre pour l'insulter, vous ne pouvez rien dire. C'est les Ivoiriens même qui ont pris pour dire telle personne est étranger, telle personne est étranger, telle personne est étranger. Quand Ablapoku ramassait les Ghanéens là, au Ghana pour traverser l'eau pour venir en Côte d'Ivoire ici là. Il est venu trouver Baoulé ici. Quand Ablapoku ramassait les Baoulé, le truc là, traverser l'eau pour venir ici là. Ce n'est pas le Ghanéen qui l'a ramassé pour venir ici. Mais quand vous êtes concentré, toi tu as Kofi Net là, l'autre est Koné là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Vous avez traité tout le monde d'étranger dans le pays là. Oh, on dit voilà ça maintenant. C'est ça, ils prennent. C'est pas eux, les Maliens n'insultent pas le mot. Les Maliens sont assis là, les Maliens connaissent personne. C'est ce que vous dites là. Ils enregistrent, ils gardent. Le juge a problème, ils font sortir contre la personne. Les lâches comme ça. Plus lâches qu'Ivoirien, il n'y a pas. Qu'on est hospitalier. Il ne faut pas confondre une personne qui est bête avec une personne qui est hospitalier. Pas tu reçois étranger chez toi, il baisse ta femme. Quand toi, tu es hospitalier. Tu es bête ou bien tu es hospitalier. Il aime blesser. Le jour où tu vois Côte d'Ivoire dans ce cercueil, on s'est enterré Côte d'Ivoire là. C'est hospitalité qui a tué Côte d'Ivoire. On est hospitalisé, on est devenu bête même maintenant. On vend notre dignité aux gens. Tuer Arafat, enterrer, baiser, et s'asseoir, disant quoi là même pour ajouter dessus. Vous avez fait parler de ça, vous n'avez pas honte. Quelqu'un qui vient, qui ne se lave même pas, qui est d'une manière, il vient au pays, il prend position. Quand on dit se permet,
Mais vous me faites honte. Vous me faites honte. On a insulté de Bordeaux, le traité de tu ici. Voilà ça. On n'a plus Attis. Lui qui se lève, il veut baiser la femme de son camarade. Lui qui se lève, il veut baiser la femme de son camarade. Lui qui a un peu de succès, il veut se baiser. Notre salle de concert maintenant est devenue réunion de famille. C'est dans les concerts, on va aller dire à quelqu'un son papa était qui. C'est dans le concert ici, on va se mettre en genoux pour donner bague de fiançailles. Lui qui arrive à remplir 4000 places de la palais de la culture, c'est fini. C'est-à-dire, il a tué tellement le match, il donne bague de fiançailles. Un gros artiste qui aime, un single qui mousse, il porte bague, il s'en s'est marié. Un gros artiste musclé, ses affaires, un single, deux singles, on s'est marié, ses fiançailles, c'est mal. La vie là, c'est ça. Attends, les autres sont en train de travailler seulement. Si ils gagnent 4000 places, ils sont en train de booster pour gagner 10 000 places, ils sont en train de booster. Lui qui gagne ici, il paye une fausse voiture non dédouanée. Ils sont assis dedans maintenant, ils sont gonflés comme ça, ils se promènent. Voilà tous les tailles là, qui est la taille même qui ne vaut pas truc. Les artistes qui marchent un peu en bas. Tu vois, taille d'artiste, l'André, André, bah, bien même. Mais gonflé va tuer. Tellement ils sont petits dans la forme là. Ils veulent se montrer même avec les biens trucs. Il a baisé la femme de temps, il a baisé la femme de temps. Voilà. Rentrer dans la famille, diviser, tuer d'autres, s'installer. Et puis maintenant, vous montrer que vous n'êtes rien. Seuls les Ivoiriens qui acceptent ça. On est hospitalier, on est hospitalier. Tu accueilles quelqu'un, il vient chez toi, il baisse ta femme. Il baisse ta femme, il baisse tes enfants, il enseigne tout le monde, il est là. Quand on parle que, il voit rien comme ça, oh. Il voit rien gentil, oh. Il voit rien, il voit rien gandou, eh. Il voit rien n'a pas de dignité, il voit rien tue son frère au profit d'un étranger qu'il ne connaît même pas. On a fini à s'éteindre ici à nos bouches. On éteint nos artistes, nos talents ici. Voilà entraîneur là. Ja. Le jeune Faé, quoi même là, il est là, la gare, c'est bon quelqu'un. Être entraîné là, c'est pas salaire. Il y a les gens même là, il y a la victoire dans leur vie. Il a la chance de la victoire. Il y a les gens comme ça. Il y a les gens qui ont la chance de la victoire. Voilà. Il faut que l'entraîneur de Côte d'Ivoire actuel, là, il doit avoir les mêmes 90 millions là par mois. Hein. On doit le payer ça. Où sont mes femmes et mes on doit le payer ça. Parce qu'il mérite ça. Il fait ce travail-là. On prend les gens ailleurs, on vient les donner, on les paye comme. Quand les petits influenceurs là sont quittés au Cameroun, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils sont allés courager ministre. Ils ont tiré photo. Ministre, voilà, et les enfants, on reste camarades. Voix belle sur les régions, on suit ça, ça amusement. Attends, nous, on est assis ici, on n'est rien. Quand on parle, il a écrit. Il y a un illettré que lui, il est ici ambassadeur de Cannes. Toi, tu n'es pas là à l'école bête là. Quand il mange, mais c'est qu'il est trop bête même. Voilà un problème sérieux, il ne peut pas parler dedans. Il est ici l'artiste le plus debout. Il est ici l'artiste le plus debout. Si ce n'est pas parce qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens s'ennuient, quelqu'un va payer ticket pour aller. Toi, tu n'es même pas intelligent. Tu vas aller dire quoi, mais quelqu'un va écouter. À fleur au baga. Ploco, ploco, ploco. Voilà un problème sérieux. Quand vous dites vous êtes des influenceurs, vous êtes reconnus là. Bon, voilà un problème sérieux où vous devez montrer réellement que vous êtes des influenceurs, vous êtes écoutés, la personne ne parle. Parce que vous allez partir mendier encore demain. Vous avez vendu votre dignité à cause de la mendicité, en train de tendre la main, en train de faire truc. Côte d'Ivoire, c'est un pays. Souvent, même tu t'assois même là. Vous, quand tu es là, même cool. Vous-même, vos propres frères, vous les traitez de ce que vous voulez. Vous les traitez d'étrangers, vous les traitez de temps, vous les traitez de temps. Quand un talent debout en Côte d'Ivoire naît là, sa nationalité sort. Quand un talent debout, sa nationalité sort. Dès qu'un talent debout, sa nationalité sort. C'est vous-même, hein? Vous faites sortir nationalité des gens pour traiter qu'ils sont temps, ils sont temps, ils sont temps, ils sont temps. Demain, les gars, on prend pour les insulter, vous y arrêtez. Vous, de Bordeaux a mené lui cela à longtemps, hein? Mais comme il est ivoirien, vous avez marché sur lui. Quand vous êtes hospitalier ou bien hospitalier, vous avez vendu la terre de vos ancêtres en Côte d'Ivoire ici. Toi, tu es brillé en Côte d'Ivoire, tu vends ta terre à un étranger, il construit, vous louez maison chez l'étranger en Côte d'Ivoire. C'est Babia ou bien? Est-ce qu'une terre à vendre, la terre de tes ancêtres,
Tu coupes pour vendre aux étrangers. Ils payent, ils construisent. Et puis toi-même, tu loues là-bas. Mais il ne sait pas quoi. Il ne sait même pas quoi. Il ne sait même pas. Comment ça peut passer dans votre tête? Vous avez tout vendu, votre place et autres, aux gens. Ils ont construit, ils ont les papiers, c'est pour eux. Vous louez maison. Comment un Ivoirien va aller louer maison? Non, mais ça fait mal de voir ça, quoi. Sirigui Diabaté peut prendre stade en Côte d'Ivoire ici. Il peut. Et puis il va à Bé aussi. Il n'aura pas d'étrangers. D'ailleurs, tous les Ivoiriens. Mais ils n'ont qu'à attendre que Debordo a pris 1500 places. Ils vont attendre. Il n'a qu'à taper poteau. Ils vont filmer pour se moquer de lui. On peut être barbier comme ça. On peut être maudit comme ça. Sirigui Diabaté est quitté au Mali. Et puis il est venu s'imposer en Côte d'Ivoire. Et puis il y a foule. Il vous demande, dites le nom d'un artiste ivoirien qui a été nominé ou quoi même là. Moi, je ne connais pas les nominations là. Moi, ici, Gassaman, c'est téléphone, il vend, voiture, c'est ça qu'il connaît. Je ne connais pas nomination, je n'ai jamais été nominé. Tout travail est fait en Côte d'Ivoire, même mon ami, on ne m'a pas donné. Au contraire, on me menace pour m'enfermer. On me menace même au pays ici, que tes propos, là, on va te mettre en prison. C'est des menaces qu'ils reçoivent. Au lieu de m'appeler pour me décorer, les plaisanter, les enfants, les. Grémio, mais Grémier, c'est pas Grémio, mais Grémier, c'est pas. Il a été nominé à quoi là? Sirigui Diabaté dit de lui montrer un artiste ivoirien qui a. Et puis, sans exception, il parle. Hein? Sans exception, quand il parle. Il dit montrez-moi un artiste ivoirien qui a été nominé au quoi même là? Au fin compte, il ne connaît pas les nominations. Je n'ai jamais été nominé. Grémier à quoi même là? Tongan Leban. Grémier Award, mais Grémier Award. Il ne sait pas c'est quel Grémier Award. Montrez-lui. Pourquoi vous ne montrez pas? Montrez-moi. Sirigui Diabaté peut prendre stade à Abidjan. Wallahi Bila Bafa. Ba bien atafa. Sirigui Diabaté stade sans kafa. Té! Et puis il ne fait pas effort. Hein. Sirigui Diabaté stade sans qu'il en ait courage. Quand ba bien la donna, il faut la fausse deux jours. A ba ba bodigon la donne courage. Parce qu'avec ça là. Avec ça le fa. Mais Debordo n'a qu'à prendre 1500 places. Dès qu'on attend que c'est Debordo là, on envoie quelqu'un là-bas pour aller filmer la salle vide. Et puis on sort pour dire Tanguy a tapé poteau. Tanguy a tapé poteau. Tanguy a tapé poteau. Tanguy a tapé poteau. Sinon, quel malien c'est que Debordo vaut rien? C'est nous-mêmes on a vendu ça, Debordo. C'est nous-mêmes on a dit Tanguy a tapé poteau. Quand les artistes, Tanguy a tapé poteau. Les coucous là, moi je les aime pas à cause d'Arafat. Moi, je suis chinois pur, 100%. Depuis le jour, ils sont venus s'asseoir si fa-fa pour dire, hey, ils ont baisé la femme d'Arafat là. Tout ce qu'ils vont faire, islam, moi, ils ne vont jamais acclamer ni applaudir. Parce que c'est des hypocrites et lâches. Ils sont allés s'asseoir sur le plateau de fa-fa pour dire, ils ont baisé la femme d'Arafat. Le monsieur, il est décédé. Tu n'as pas pu garder cela comme secret. Vous êtes allés vous asseoir sur le plateau télé pour dire ça aux gens. Artistes qui chantent un peu de moyens d'être là. Concert, ils vont aller s'asseoir pour parler de père et mère. Concert est devenu coin de fiançailles, réunion de famille. Vous êtes artistes, vous êtes quoi, on ne sait même pas. Après le concert, au lieu, après le concert. Oui, tu nous rends plat. Vous étiez où avant? Vous-même, vous rendez plat ici? On n'a qu'à attendre. Debordo va faire concert, personne ne va partir. Telle personne va faire concert, personne ne va partir. Lui qui a un peu de succès net là. Tu finis de faire un faux concert où tu n'es même pas artiste, on ne connaît même pas un de tes singles qui est connu. Tu dis, tu chantes même la radio, tu ne joues pas ton son. On ne sait pas, tu chantes quoi. Tu n'es même pas artiste. Un gros mendiant qui a rempli, les gens rempli 4000 places. Tu finis le concert. Au lieu d'arrêter de reposer, que pas, tu sois avec un single qui va prendre. On te voit maintenant sur les chaînes de télé, mouvement. Là. Tu es rentré dans Mandicité encore, on te voit partout en train de traîner au milieu des gens qui ont payé ton ticket. Non! Mais c'est pas quoi. Vous faites comment pour vous faire avoir dans ces bêtises-là même? Vous faites comment pour vous faire avoir dans ces bêtises-là? Côté artiste, un menteur, gros,
Guro, Nabe Dominique Erebaro Nalumalo. Si tu ne vois Maïe, tu sais qu'il n'est même pas intelligent. À date, d'ailleurs, Kenita. Tu es allé faire concert. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents pour aller te suivre parce qu'il est là, les grattait. Tu as fini concert là. Faut aller te reposer, crépa. Tu reviens maintenant à un single. On a qu'à te voir seulement que sur les chaînes de télé, dans les radios. Là, on est concentré. Voilà, toi en train de traîner quand un match avec les enfants là. Je suis à ma qualité d'ambassade. Toi, tu es illettré. Tu peux pas. Toi, tu parles des phrases même là. Tu es à terre. Tu peux même pas parler. Tu peux même pas parler même sans te barbier même là. C'est toi qui as avant t'arrêter. Non, quel pays. Quelle Côte d'Ivoire même.